l'Éternel. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris comment ça marche ici. Alors, je recommence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette première édition de Become Able Ministries. L'émission est nommée Coming Out. Will you make some noise, please? Attendez, attendez, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le concept. Quand je dis « Would you want to make some noise ?» ça veut dire juste, on m'a expliqué avant l'émission, on m'a expliqué que « make some noise » ça veut dire faire du bruit. Faire du bruit. Alors, nous qui ne comprenons pas l'anglais comme moi, on va essayer de faire mieux. Alors, « Would you want to make some noise ?» Que l'Éternel soit béni. Alors, sans plus tarder, je voudrais expliquer le concept de cette émission. Alors, « Coming out » est venu à cœur à cause d'une révélation. Une révélation que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne passive. L'Éternel nous a mis ce fardeau de faire de créer un espace à travers lequel les jeunes chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, devront témoigner librement. Quand je dis témoigner librement, je vois deux choses. Témoigner Jésus et témoigner de ce que Jésus est en train de faire dans notre vie. Est-ce que ça passe? Alors, nous voudrions témoigner Jésus, puis témoigner de ce que Jésus est en train de faire dans notre vie. Pourquoi je le mets en deux? C'est parce que c'est important de connaître la personne afin de témoigner de lui. C'est important. Je sais qu'il y a, plusieurs personnes ici qui ont des masters, puis qui ont étudié, qui ont des maîtrises plus que moi. Je ne m'hasarderai pas à définir selon mon concept, selon mon entendement, témoigner. Mais j'ai un ami qui va m'aider pour ça. Vous savez, l'Internet, ça aide beaucoup. Hein? L'Internet. Alors, je veux voir le monsieur dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit du mot témoigner? Témoigner, révéler ce que tu sais déjà. Cette aptitude que tu auras à révéler devant les gens ce que tu sais déjà. Alors, on voit déjà que c'est important de pouvoir connaître la personne pour laquelle tu veux témoigner. Est-ce que je dis vrai? C'est important de connaître la personne pour laquelle tu veux témoigner. Tu ne peux pas aller devant la cour puis tu dis « Je veux témoigner pour Christian parce que je l'ai vu chanter à la télé. » Non. Il faut que tu puisses avoir une relation avec la personne. Alors cette émission, c'est une opportunité pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu encore à réfléchir sur un aspect des choses. Quel aspect? Ai-je vraiment la connaissance de la personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie? Est-ce que Jésus s'est révélé dans ma vie? Et pour cela, j'ai un second ami qui m'a donné plus d'éclaircissement. J'ai compris que dans la Bible, toutes les personnes qui ont connu Jésus et qui suivent les pas du christianisme, toutes ces personnes-là, ils ont une révélation personnelle de Jésus. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous pensez que ce que je suis en train de dire, ça va en l'air? Ça fait du sens? Ok, ça fait du sens. Alors, on est d'accord avec moi que toutes les personnes, à commencer par Abraham, dans Genèse, l'Éternel nous dit qu'il s'est révélé à Abraham comme étant l'Éternel très haut. Puis il s'est révélé à Moïse différemment, il s'est révélé à Jacob différemment. Alors aujourd'hui, nous ce que nous allons faire, nous allons recevoir des témoins, nous allons recevoir des gens qui ont reçu Jésus dans leur vie. Qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui ont une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Alors ces personnes-là vont vouloir nous témoigner. Alors avant de commencer, je commence d'abord par me présenter. Moi, mon nom c'est Christian Tchinkoulou. Christian Tchinkoulou, je vais être l'animateur de ce soir. Si vous me l'accordez, vous allez acclamer. Alors, ça marche bien. Alors, j'ai parlé de témoigner Jésus et de témoigner de ce que Jésus fait dans notre vie. Alors, nous allons témoigner de ce que Jésus, ça c'est tellement facile. On se dit, si quelqu'un te fait du bien, tu peux témoigner, tu peux facilement dire, il m'a donné telle chose, puis je le remercie pour ça. Alors, avant de témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie, il faudrait témoigner d'abord Jésus que tu connais. Et sans plus tarder, je m'en vais appeler les témoins de la journée. Je m'en vais appeler le serviteur de Dieu. Serge et la servante de Dieu Marie, je souffre vos acclamations. Faites du bruit s'il vous plaît. Pendant qu'ils s'approchent comme des rois. L'âme de Dieu, servante de Dieu, vous pouvez prendre place. Ok, est-ce que vous me permettez de m'asseoir? Alors, bonjour Marie-Jo, servante de Dieu dans l'église Christ notre espérance, dans l'église Christ en action. Ouais. J'ai une église qui me reste en tête, Christ notre espérance. Alors Christ en action, qui est dirigée par le pasteur Fofi. Alors vous êtes d'origine haïtienne. Alors Marie-Jo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre conversion?
Tout d'abord, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, premièrement, j'étais très, 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 très religieuse parce que j'ai grandi dans une famille catholique. Et j'étais à l'école chez les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, chez nous en Haïti. Et de toute façon, j'ai vu tellement comment elles étaient bien. Alors, dans le naturel, j'ai vu qu'elles étaient vraiment bien. Et puis, c'est pour cela que j'ai dit, bon, je voudrais devenir comme eux. Et là, j'ai cheminé avec eux. Quand j'ai terminé mes études en secondaire, j'étais allée commencer mon postulat avec eux. Mais quand j'étais là-bas, je sentais vraiment comme ce n'était pas ma place et je sentais un vide intense. Et ce vide-là était tellement intense, je ne savais pas quoi faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des lettres, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, vraiment, dis-moi ce que tu veux de moi, ce que tu veux que je fasse. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me montres le chemin. Et cela, ça continue comme ça. Quand j'ai terminé l'année de postulat, je devrais écrire les sœurs pour dire que, bon, je veux continuer mes études. Et puis, c'est là, quand j'étais à l'université, c'est là que moi, j'ai commencé à faire mon cheminement avec le Seigneur. Parce que j'ai laissé, c'était un congé, j'ai laissé là-bas pour retourner chez nous dans la ville. Et j'ai passé chez une amie, je veux vraiment faire l'histoire courte. J'ai passé chez une amie, j'ai dit, ah, je pense que mon corps est fatigué, je dois rentrer chez moi. Et c'est là, au cours de la route, je sentais comme quelqu'un était à côté de moi. Je me dirigeais directement à l'église et le pasteur prêchait comme la femme samaritaine dans le livre de Jean, pour ceux qui connaissent. Et c'est là que j'ai compris, c'est vraiment cette eau-là, moi, que j'ai vraiment besoin, parce que j'avais vraiment une soif, j'étais vide, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai senti le vide tellement intense dans ma vie. Moi, je pensais aller chez les sœurs, c'était vraiment la chose la plus importante que je devais faire. Mais arrivant là-bas, le vide était plus intense. Alors, c'est là que j'ai compris, quand j'ai dit oui, Jésus vient dans ma vie, pourtant tout le monde me connaît. En tout cas, c'est, vous savez, quand on est dans... tout le monde te prend comme vraiment tu es une bonne personne. Mais en fait, moi, ce que j'avais dans ma vie, personne ne le connaît sinon que Dieu. Alors, c'est là que j'ai compris vraiment, on peut être beau religieux, mais de ne pas avoir une intimité, avoir une relation avec Dieu, c'est vraiment la catastrophe. Merci beaucoup, Marie-Jo. Alors, nous comprenons déjà que c'est important quand on constate un vide dans la vie. Il y a un vide que nous avons et il n'y a qu'une seule personne qui peut combler ce vide, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me retourne vers Serge. Serge, membre de la GEM, G-E-M-M, de l'église Manguemo Montréal, l'église qui nous bénit pour cet espace. Nous saluons le pasteur en passant. Alors, Serge, bonjour. Bonjour. Alors, ouais, ça va. Je voudrais que vous puissiez nous dire quels sont les enjeux autour de votre conversion. En quelques phrases, quels sont les enjeux autour de votre conversion? Frère Christian, déjà, Tchikoulouche, j'aimerais te poser une question, que ce soit les filles ou les garçons. Quelle est cette personne qui ne s'est jamais présentée devant un miroir avant de faire face à d'autres personnes? Personne, tout le monde, que ce soit les garçons, tout comme les filles. Ce que moi j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que durant toute ma vie, c'est un peu comme si j'échappais à me présenter devant le miroir. J'ai pensé que je pourrais mettre des beautés, je pourrais m'habiller, faire tout ce que je pourrais et me présenter devant les gens sans pour autant savoir ce que je mets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? C'est que je suis né déjà dans une famille chrétienne. Alors, j'ai cru que c'était ça même, devenir chrétien, parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Mais j'ai compris que ce n'était pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment donné dans ma vie qu'il fallait que je rencontre le Seigneur Jésus, lui-même en personne. Parce que j'avais senti que j'étais imparfait déjà de moi-même. Et le Seigneur Jésus-Christ, je le présente comme un miroir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant toute ma vie? J'ai rejeté toujours la faute sur les autres quand j'avais des échecs. Et puis, j'étais impatient d'avoir un résultat. Exactement. Alors, et à un moment donné dans ma vie, il n'y avait plus rien qui marchait. Et là, je suis rentré dans l'église pour dire au Seigneur, si vraiment tu es le Dieu de mes parents, que toi tu les as donné la richesse, tu nous as fait passer par plein d'épreuves, pourquoi moi je dois m'arrêter quelque part? Et là, à un moment donné, je suis entré dans les services du Seigneur et j'avais même oublié la raison pour laquelle j'étais venu. Pourquoi? Parce que le Seigneur était comme un miroir pour moi. Il m'a montré, je me suis présenté devant le miroir et il m'a montré mes imperfections. Il a montré les choses qui n'allaient pas en moi. En
afin que je les corrige pour atteindre mon but. Vous êtes venu à Jésus et Jésus vous a montré vos impuretés. C'est vraiment quelque chose de particulier dans votre témoignage. Alors, venir à Jésus, les gens qui me suivent à la télé, plusieurs personnes, on les a tellement brandis à un tableau très blanc. Quand vous venez à Jésus, vous allez avoir plein de choses, vous allez sourire. Puis, venir à Jésus, ça vous a révélé vos faiblesses. C'est vraiment très, très, très pertinent. Et dans votre témoignage, je me rappelle que vous étiez en train de parler d'une course vers l'amour. Une course vers l'amour, vous étiez en train de chercher une conjointe, une âme sœur. Et dans cette course, pouvez-vous nous parler qu'est-ce qui s'est passé dans cette quête-là? En fait, s'il faut que je dise en réalité, c'est que moi, si je n'avais pas connu le Seigneur, je serais quelqu'un du genre coureur de jupons. Exactement. Alors, à force de suivre, de chercher l'amour, j'avais oublié même qu'il était très important de savoir donner l'amour pour en recevoir. J'ai compris que premièrement, que je n'avais pas pu trouver parce que je n'avais pas de l'amour à donner. Et que la seule personne qui était capable de me donner l'amour, enfin que je donne pour recevoir des autres, c'était Jésus. Donc c'était un peu ça. Donc je me suis vraiment embrouillé dans ce domaine-là. J'ai perdu beaucoup de temps sans savoir qu'il n'y avait que Jésus qui savait donner l'amour. Et qu'au travers de l'amour de Jésus, je pourrais donner, enfin que les autres puissent me donner. C'est exactement ça. Merci beaucoup Serge. Alors vous comprenez par ces dires que nous ne demandons pas aux gens qui sont dans des relations amoureuses de rompre. On ne vous demande pas de rompre. C'est sûr que l'amour que vous recherchez regorge dans la présence de Jésus. Et c'est Jésus qui sait nous montrer comment aimer. Alors si on recourt chez Jésus, vous aurez votre âme sœur. Alors je pense que cette quête-là a abouti. Vous avez déjà trouvé une âme sœur? Bon, en fait, juste qu'elle n'a pas encore. Pas encore. On a l'espoir que cela va venir. Alors Marie-Jo, je voudrais vous poser une question d'emblée. Pourquoi est-ce que les gens pourront recevoir Jésus selon vous? Pourquoi est-ce que les gens devraient recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tout d'abord, la Bible nous dit, Dieu nous a tant aimés, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que c'est important que tout le monde doit avoir la vie. Et vous, comme vous savez, c'est pas pour avoir la vie. Comme Jésus-Christ lui-même, il est le chemin, la vérité, la vie. On doit passer par lui pour avoir la vie. Et c'est pourquoi moi, je dirais à tout le monde qui m'écoute, c'est tellement important de savoir si la mort vient ou allons-nous passer notre éternité. Parce que après la mort, ce n'est pas encore fini. Après la mort, il y a encore une autre vie. Et c'est très important de penser, après la mort, où irons-nous? Et Dieu nous a tant aimés. Dieu nous donne Jésus-Christ. Le seul fils qu'il a, il nous a donné afin que... Excusez-moi, je voulais poser une question. Je voulais dire, s'il y a des gens qui sont venus à Jésus parce qu'ils étaient aveugles et qu'ils ont vu. Il y a des gens qui sont venus à Jésus parce qu'ils avaient un problème. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie? Qui fait en sorte que celui qui est en train de nous suivre va enlever ce concept-là comme si c'était la religion, comme si c'était quelque chose qui vient de père en fils ou du tribu que l'on reçoit parce que l'on est Congolais et les Congolais sont chrétiens, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire depuis que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? D'abord, il y a tellement de choses qui changent dans ma vie. Comme moi, par exemple, j'étais vraiment impatiente. Et puis, il y a tellement de choses dans nos vies parce que la nature pécheresse est en nous. Et c'est comme le miroir, comme mon frère vient de dire. C'est tellement important de savoir quand la parole de Dieu nous a dit que Dieu n'a pas mis la loi sur une tablette. Il a mis dans notre conscience, au fond de nos cœurs. Cela veut dire que quand on fait quelque chose qui n'est pas correct avec Dieu, à cause de notre relation avec Dieu, on sent immédiatement que ce n'est pas normal, si ce n'est pas correct en tant qu'enfant de Dieu. Coming out! Non, ça n'a pas marché. Coming out! Témoignons et brisons le silence. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Waouh! Moi, je me dis que c'est des beaux témoignages, n'est-ce pas? C'est des beaux témoignages, c'est des personnes qui ont reçu Jésus. Jésus a cherché de manière particulière ces personnes. J'aime vraiment la diversité de ces témoignages parce que des fois, on a l'impression que quand on va à l'église, c'est ça qui témoigne notre salut. Aller à l'église, c'est ça qui fait que nous puissions être chrétiens. Mais à travers vos témoignages, on a compris qu'il y en a qui ont fait toute leur vie à l'église, mais c'est par après qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Et s'il y a une pensée à dire pour tous ces chrétiens qui vivent une vie passive, quand je dis vie passive, c'est comme tu te tais pendant que l'Éternel te donne la responsabilité de parler, de pouvoir inviter les autres à recevoir Jésus dans le travail, dans vos milieux d'études. Qu'est-ce que vous aurez à dire
Serge, pour toutes ces personnes-là qui vous suivent et qui sont des chrétiens, mais qui n'ont jamais l'habitude de pouvoir évangéliser? Mais moi, je pense que ces personnes pensent qu'ils ne sont pas capables de transmettre ce qu'ils ont reçu. Mais le Seigneur dit que ce que je vous donne pour que vous puissiez le transmettre. C'est-à-dire qu'une personne qui est sauvée doit aussi sauver. Donc, on est sauvé pour sauver les autres. Alors, juste dire à ces personnes que s'abandonner au Seigneur, c'est savoir écouter la voix du Seigneur. Et écouter la voix du Seigneur, c'est dire que on a été sauvé pour sauver. C'est-à-dire qu'il a dit sortez et allez, faites de toutes les nations mes disciples. Partout où vous pouvez être, criez sur tous les trois que le Seigneur vous a sauvé et qu'il peut aussi sauver d'autres personnes. Donc, c'est exactement ça. Et puis, le Seigneur dit que si tu as honte de moi aujourd'hui, de me témoigner devant les gens, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Parce que sur la route de l'éternité, il n'a pas eu honte de nous. Il nous a choisis malgré qu'on était impurs. Il a dit que c'est toi que j'ai choisi. Et au travers de mes principes, tu apporteras la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin de ça. Merci beaucoup, Serge. Alors, nous avons compris dans tout ça que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Alors, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a ce fardeau de pouvoir évangéliser. Coming out, c'est pour toi, ma chère sœur qui me suit à la télé. Coming out, c'est pour toi, mon frère. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui s'appelle chrétien et qui a un fardeau. Un fardeau en lui, il se dit, ben, les âmes de mon papa, c'est pour moi. J'aime ce que Jésus, Marie-Jo, a dit à Pierre, c'est comme, m'aimes-tu? Il a dit plusieurs fois, m'aimes-tu? Mais pourquoi on pose une question avec autant de d'insistance? À la fin, il dit, paie mes brebis. En réalité, il n'y a rien qui importe pour notre Dieu plus que les brebis. Il n'y a rien qui importe pour notre Dieu. Et en cela, nous voulons inviter tout celui qui est en train de nous suivre en ce moment. Tu as vécu ta vie selon ce que ton esprit te disait. Maintenant, tu as l'opportunité à travers les témoignages qui nous ont donnés en ce lieu de pouvoir faire un choix. Vas-tu continuer dans ce chemin ou vas-tu suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu es convaincu de cela, ensemble avec mes bien-aimés, nous allons faire une prière avec vous. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. En ce moment, je viens devant toi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes. Et donne-moi ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci l'homme de Dieu, Serge. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et par votre intermédiaire, nous voulons remercier votre pasteur, le pasteur Jean-Pierre Tchinkoulou et toute l'église Mangembo. Alors, merci beaucoup, servante de Dieu. Merci, Marie Jo. Alors, je remercie aussi le pasteur Fofi de vous avoir permis de pouvoir participer à cette émission. Alors, je m'en vais clôturer cette émission. Mes invités témoins et s'élèvent avec moi. Alors, je voudrais vous donner à toutes ces personnes-là qui ont l'envie, qui vont sentir en eux le désir de pouvoir participer à cette émission. C'est possible. Vous allez juste nous contacter à travers notre email. C'est ba.ministries2014@commercial.gmail.com. Alors vous pouvez toujours visiter aussi notre page web, c'est Become Able Ministries. Je vous invite à être nombreux. La prochaine séance, ça va se tenir toujours ici sur 4675 Industriel et ça sera le 29 juin, alors le mois prochain. À la prochaine!